Et punir en shop, c'est vrai. Le meilleur combo. Mais oui, c'est pour le mec. C'est ce que... Mais c'est exactement ce que j'ai dit. T'as vu ? Avantage positionnel. Bon, après, il était allé dans le coin et ça s'est pas bien passé. Mais le but, c'était ça. Oui, quand il lui reste pas beaucoup de vie et qu'il peut gagner avec un combo, bah, il préfère le coin puis casse-garde. Mais parce qu'il sait que le casse-garde va passer. Bah, c'est ça. Mais dans le coin, le casse-garde fait plus mal, je crois. Et puis il est sûr de passer, hein. T'es dans le coin, tu prends un casse-garde, je veux dire, c'est normal. Bah oui. Bah oui. Qui n'a pas pris un casse-garde dans le coin où jette la première pierre. Donc Niaban Massi en team Quack.fr. Ou de la team SS7, ah bon? Ah non, Yaz il est pas... Bon bah... Bon bah voilà, bas moyen... Ah oui, bas moyen punch, c'est quand tu fais genre tu joues Chun-Li technique. Ouais, c'est bien. C'est genre tu cours pas le bas MK en fait, mais tu fais bas MP pour faire genre ça touche plus loin. Et t'es un mec technique. Ou la maxi activation du Genei dans le vent. La phase classique et pressing. Oh le dragon! Punition shop, l'avantage du coin. Il reste fidèle à son Indo. Il avait pas menti. Et casse-garde, hein. Mais qui n'était pas dans le coin, mais qui est passé quand même. Alors je sais pas, Massi il essaye d'avancer, mais c'est dur. Voilà, oh, il était au corps à corps, il a tenté un coup, mais rien ne sort moins vite que le stand kick là. HK au corps à corps, apparemment. Oh, double contact. Bien sûr, il le savait. Il le savait. Oh là là, il est tellement plus loin, Aizen. Oh, activation dans le vent. Et direct, il sait, Yaz, il va se mettre dans le coin. Il y va, il est consentant. Oh, une phase cross-up qui passe. Mais oh là là, il est dive qui passe en hit. Mais il n'y a pas combo derrière. C'est dommage. Mais bon, là, il mène, il est bien. Mais ouf, un petit confirme super de Chun-Li. Et c'est la fin des haricots. Ou casse-garde shop, hein, la phase officielle. Le gros pied qui évite l'élo. Ah, combo, non, activation, non, on n'active plus. Dive, shop. Avantage du coin. L'avantage toujours positionnel. Hein. C'est important. Hop, bada. Ouais, allez, il en a eu marre, il a envoyé un pif. Oh, shop qui passe pas, t'étais trop loin. Oh là là, attention. Oh là là, là là, ce whiff punish d'un coup un peu mi-schnaps, mi-raisin. Et victoire de Aizen. Et Niaban et son perso Palock testé. Ouais, perso bonus. Perso DLC, hein, c'était le DLC de l'époque. Donc il fallait le faire fort, sinon les gens vont pas jouer au jeu. Yazu. Un champion encore. Oui, j'ai vu beaucoup d'avantages positionnels, hein, j'ai aimé. On se met bien. On essaie de toujours, se mettre toujours à la bonne position. C'est comme 98. C'est le coffre du bled. On gère la distance. C'est très important contre Yoon. Parce que contre Yoon, ça peut aller très vite. Ouais, c'est plus simple si Yoon il fait des avant gros points dans le vent quand même. Ouais, mais si je suis à la bonne distance. Bah oui, mais tu l'avais vu, mais t'es tellement plus loin. Ce que j'explique à tout le monde, mais ils savent pas. Moi j'ai vu à quelque chose, hein, je sais déjà. Écoute, je te laisse maître de tes propos. Allez, c'est parti. Allez. Necro contre Makoto. La vengeance. Un perso technique contre un perso du vol, hein, on peut le dire. Makoto, perso inadmissible. Un perso de Marvel à la base. Bah oui. Ils sont trompés. C'est ça. Ils sont bourrés de jeu. Voilà. Ils l'ont mis. Karateka. Karateka féminin. C'est safe ça? Non, c'est pas safe, mais. Ça dépend sur qui. La machine à laver, il déchire. Oulala. Oh là là. Mais la patate qui est mise en avant, c'est safe tout le temps. Le chesto, non, mais la plupart du dommage, temps. Dommage, c'est pas passé là. L'attrapement de pied. Niaban, ça va être dur de revenir. Oh, le fameux dash shop. Le dash de Niaban. Oh là là, bien joué. L'anti-air en anti-sol. L'anti, ouais, non, mais le dash qui fait à peu près tout l'écran. Ça, c'est assez pratique. Ah, et il a son confirme de patate Fury. Ah, ça va être dur là pour Torvik de revenir. Oh là là, mais regarde la patate qu'elle met, une patate de daron. Voilà. Mais ça veut rien dire. Déjà, une fille karatéka, bon, c'est discutable. Mais en plus, si elle a eu une écharpe qui s'étrangle elle-même, comment elle peut être forte? Trois coups.
Oh là là, pif confirme. C'est safe sur Niaban. Ouais, il y avait un deuxième. Une fois sur deux, voilà. Patate. La chop pour voilà. Le dash. Ah voilà, les man game, on sait pas. Ah oui, oh oui, bien joué ça. Et le stun. Ah, c'est très bien joué ça. Oh la totale. Hey, le beau jeu. Elle lui a mis salade tomate oignon. Attention parce que Niaban il a la peur de gagner. Donc quand il a la peur de gagner, il va rusher, tu vas voir. Je le connais. Oh là là, et là il faut l'empêcher. Oui, bien joué, ça sort dans le bon sens. C'est beau. Et il reprend. Bim bam, la machine à laver. Oh bien joué, la torpille. Il est là, l'embrouille devant. Moitié de barre. Oh là là, chop. Moitié de barre de stun. Aïe, attention, un pif. Oh bien joué. Bien joué. Dans la roulade. Ah, il met la furie, non, il met un ex. Non, il a mis le ex. Ouch, le casse-garde qui est safe tout le temps. Ah, il presse ça. Ah là là. Oh oui, oh bien joué, bien joué, ça fait l'embrouille devant derrière. Super bien joué de la part de Victor. L'électricité en mid-si qui casse tout. Ouais, du coup, c'est 1-0. Ah oui, du coup, ça va re-être moi contre Massi. Ah, et c'est l'occasion d'un nouveau match d'avantage positionnel. C'est beau. Oh là là, gros Victor à Guac.fr représente. Ouais, c'était beau. Hein. Il s'est relevé en patate machin là. En patate machin, ouais. Ouais, patate, truc, le reste, électricité, tout ça quoi. Furie. Ça a fonctionné. C'est propre. Quand ça confirme, ça fait mal. Hein. Alors, est-ce que Massi va renverser le match-up? Match-up Diaz. Ça a choisi le stage. Et ça Hong Kong. Hong Kong. Chez Yoon, attention, parce que il y a deux phases hein, chez Hong Kong. Il joue à Dom. Il joue à domicile, hein. Il joue local. Hein. Are you ready? Go. Le beau jeu. Ça charge. Le beau jeu. Dive kick. Oh, un coup schnapps, on le voit pas souvent. Ça virevolte. Oh oui. Dans oh là là, regarde, il est chopable. Attention, oh oui, il a joué. Hey. Non. Garde très solide. Voilà, les chopes. Voilà, merci, il a compris. C'est le truc qui tue Yaz à tous les jeux. Hein. Tu fais un petit tic et chopes. Et c'est reparti pour un tour. Ah, oh, il a déjà la super. C'est beau. Oh, une balayette au pif. Et c'est passé. Hein. Oh, c'est passé, c'est bien joué. Ça recharge la barre en prévision d'un avenir incertain. Oh là là, ça au pif. Oh bien joué. Et le target pour carotter les blocs à l'arlène. Bien vu. Oh là là, Massi qui est plus dedans là que tout à l'heure. Et c'est reparti. Activation dans le vent. Voilà, les chauffe-pays, il a compris le défaut. Non. Ah, il peut en remettre une là, je pense. Oh là, bon boy, normal, ça passe. Yaz qui sort du coin. Le target. Oh là là, tout passe là pour l'instant. Yaz qui a la fraise. Ouh. Ah, le casse-garde vient. Oh là là, il a même pas de vie. Yaz là, ça va être dur de revenir. Voilà, la chauffe-pay. Merci, il peut en remettre une là, c'est gratuit sur Yaz. C'est au peu. Bah oui, tu sautes avec un petit coup, tu fais chauffe-pay. Mais ça, c'est infini. Hein. Bah, la dernière fois, déjà, à l'année dernière, double chaos sur Marivette. Il avait tué comme ça Mimosa avec son Yang. Oh, casse-garde. Oh, le moyen là, tu bouges pas. Ça se respecte. Ça se voilà, regarde, double saisie à nouveau. Oh, t'es à nouveau dans le coin. Oh là là, bien joué le bloc. Oh là là, le confirme. Et ça fait mal hein, en fait. Et ça fait très très mal. Ah là là, dommage là, Massi. Il a laissé Yaz survivre et avoir de la super. Et il a retourné le round. Et là, voilà. Le fameux gros point de Chun-Li. Grosse pression psychologique, hein, il faut revenir. Voilà, Yaz qui est bien dans le coin. Saisi, non. Ah oui, non, bien joué. Hey, oh et là le là. Mad game. Oh là là,
Ah, pourquoi il recule, Massy? On est sait pas trop là. Recule pas, garde-le dans le coin. Oh, Yaz, bah oui, il faut charger. Oui, Target en l'air. Et l'avantage positionnel. Hop là, le gros. Oh, la boule, voilà, la comme boule, on ça. Sait pas trop pourquoi. J'ai oublié qu'elle pouvait faire des boules. Voilà, embrouille devant derrière. Voilà, non, non, petite saisie, c'est parti. Bim. Ah, zéro au chauffe-spé dans le vent. Ah, si, voilà. Bah voilà, il a piffé, bien joué. C'est passé, hein. Là, c'était. Oui. Juste quand je dis zéro chauffe-spé dans le vent, Yaz y piff. La saisie. Johnny prend l'avantage. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça se regarde. Oui, il a oh, bloqué. Oh, le gros point, attention. Oh, là, Massy, il aura bientôt la super Yaz qui laisse charger la super. Oh la whip, le bloc. Oh, attention, il va bouger. Let's go, Justin. Ouh, non, attention, non, ça bouge pas. Yaz qui respecte. Qui respecte un peu trop. Là, il aurait pu envoyer une saloperie. Ah, oh, ça joue propre, ça joue propre. Yaz joue propre. Ça veut gagner honnêtement avec Chun-Li. Le beau jeu. Oh là là, il va revoir une super. C'est le respect, hein, ouais. C'est le respect. On y est, attention, on est en cascade. Attention, et oh là là, le beau jeu. Ah, oh, c'était technique, hein. Et oui, après, tu l'as pris, Massy, oui. Avec le petit saut aérien pour finir. Casse-garde, chop, les basics. Ouais, c'est ça, bah il sait pas qu'il faut garder debout. Ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ouais, c'est ça. Et donc, Victor qui doit déjà sortir le Nyabna pour après éventuellement affronter Yaz. C'est pas ça, non, je sais pas moi c'est quoi les types, tu crois que je suis. C'est pas ça. Mais non, mais Yaz il est avec Victor, voilà. Ah bah non, toi t'as gagné. Ah ouais, t'es dans les gentils alors. Pour l'instant. Depuis le début, et t'es dans les gentils. Depuis le début. Le kin début. On va voir si Victor nous refait la même. J'ai bien aimé Dragon. Dragon, c'est maintenant que le dragon de Necro est meilleur que celui de Makoto. Mais oui, bah oui. Faut dire que celui de Makoto est particulièrement pourri. Bah oui. C'est pas plus mal. Mais il sert à faire le combo là, Finiston là, Dieu qui est haut, il faut pas. Ça c'est s'il joue. L'autre ultra, bien sûr. L'autre furie, effectivement. SA. Il lui a mis deux coups, hein, il lui a mis deux coups, il y a trois. Oh là là. Ouh, ça y est, il est dans le coin. 30% de la barre. Oh là là, y'a pas moyen de faire bloc rouge là en play hit là quand t'as un mec qui peut. Mais on en est pas c'est là. C'est lui encore. Qui lui met les man games à la relever. Oh. Oh. Nyaban il a pas le temps. Oh, oh oui. Là. Il avait vu le ah, futur. Oui, voilà, ah, c'est dommage ça. La punition un peu, mais pas trop. La punition qui est pas passée. Un petit hit là. Le tourne-broche. Le tourne-broche en l'air. Aïe aïe. Ah là la rosette. Oh. Voilà la beauté du jeu. Donc si vous êtes en l'air, tu peux pas piffer en retombant sur les pieds. Et instant shop. Bah oui, mais c'est. Bah oui, bah il a pas. Il va. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais. Pas le temps, voilà. Trois patates dans la gueule. Ah, c'est tellement. Ah oui, ça c'est bien oh, ça. Oh, dommage, j'ai eu punir le zoning. J'y ai cru. Ah ah. En punish. Oulala. Ah, le tour de broche à l'infini, hein. Bah oui, tour de broche, j'y connais pas, Nyabad. Il aime pas les tours de broche. Hop. Mais oh oui, bien joué. Ah, dommage, c'est pas le bon coup là. Ouh, j'ai trompé, c'est pas grave. Ah là là, et Nyaban qui rush. C'est compliqué, pour finir. Hein. Ouh là là. Oh, bien joué, petite incantation. Yaourt nature. Ah. Ah, le stun. Et yaourt aux fruits, voilà. Presque toute la barre. Oh là là, et patate, tu te couches. Ah, il s'en fout. Au point de loin. Et voilà. Il en a 3. Et c'est à Yaz de gagner son tournoi. C'est pour toi, Yaz, hein. On y croit. Ça tape dans les mains comme au catch. C'est ça que les gens veulent. Ah oui, c'est ça. C'est à son tour. Les joueurs de Hermika. Bah, Rachid, il arrive. Hein. Rachid arabe. Jouer avec les raccourcis. Et ça doit être Chun-Li contre S1 Makoto. Le meilleur son de la terre. Ça choisit la mosquée de Vitry.
Et pas. Oh, il veut pas. Non, ça risque d'être le traumé. Le traumé de Vitry. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. C'est le combat de rue après tout. Hey. Fighting Street. Moi j'ai déjà vu des gens en kimono pieds nus dans le métro. Bah souvent hein. Yas contre Massy. Voilà, c'est le dernier match du tournoi, hein. On regrette déjà. Oh oui. Oh oui, gros point dans ta gueule. Ouais, c'est pas passé. Dit. Oh, une boule comme ça. Oh oui, encore. Hey, tu vois, oh, il connaît des combos. C'est joli, c'est très joli. Voilà. Là, il est dans le coin. Hey, hey. Hey, le stun qui est là. Oh, c'est pas passé. Oh oui, corrigé plus. Direct. Oh, le petit dessert, là. Hey. Oh. Reset au bout de la chope. Il a pas le temps. Yaz à un round de la victoire finale. Balle de match. Peut-il le faire? Oh là 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 là. Incroyable. Niaban, allez, la peur de gagner, bien française. Oh oui, incantation maléfique pour mettre une chope. Hop, un petit truc, je m'en vais, je reviens dans ta gueule. Oh là, ça se regarde. Oh, le gros up de Makoto. On le voit pas souvent. Et ça rush pour pas la laisser avoir ses barres. Ouais. Ah là non, là, et ça voilà passe. Ah, il s'en bat les steaks. Bim, il envoie. Bim. Hey, hey, le reset sur les jambes. Voilà, relevé, chop. Oh là là là. Oh, ça bourre ça, les talonnettes. Je savais pas qu'il y avait ce coup-là. Ouh là là. Ouh, ça a vous puni. Mais non, mais Fury, pas moyen super. Il l'a fait depuis tout à l'heure. Égalisation. Depuis tout à l'heure, il l'a fait. Et quand ça gagne, il le fait pas. Il l'avait pas? Bah oui, bah dites aussi, il l'avait pas. Bah oui, bah c'est bon. C'est bon, hein, c'est un commentaire participatif. Hein. Ouais, le public joue beaucoup là. Le public. Bah oui, mais je. Il l'avait pas, dommage. Bah c'est dommage. Oh là oh, là, le casse-garde. Oh là là, le mixé. Mon pied dans ta gueule de combien de choses? Oh, ça confirme pas. Ouh là là, oh yes, ça va être dur là. Et là, c'est fini, garde basse, OS à l'infini de Niaban. Il se baisse. Voilà, du coup, il prend les casse-gardes. Game, le casse-garde, exactement. Ouh là là, attention. Oh c'est oui, l'overhead. Un coup un peu. Oh, c'était passé. Oh là 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 là. Ah, il aurait pu lui mettre. Ouais, oh non, yes. Bim bim bim. Il s'est fait patater. Ah là là, oh le bas moyen, bas moyen. Attention, oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, ah, oui, oh, là, là, il a voulu bim, l'arnaquer, bim. Attention, le ça target. Va se passer. Ah, la bourrance. Avec le target pour finir. Niaban qui a transpiré, qui a fait caca debout assis. Oh là 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 là, c'est dur, il a vu un pari. Oh, c'est ma gratte n'était pas garantie. Bah oui, bah c'est Yann, yeah, c'est Aizen quand même, on te dit pourtant. Voilà. Je sais pas, du coup, Guac.fr Niaban a gagné. Il redevient Guac.fr. Le favori, hein, c'était le favori qui a c'est gagné. Normal. Propre. Je crois qu'on peut dire félicitations. Voilà, félicitements. Yaz, un petit commentaire peut-être. Eh bien malheureusement le moins fort a gagné. Niaban a gagné. Il a fait le moins fort a gagné. C'est vrai, c'est vrai. On le saura pour la prochaine fois. Non, bien joué à lui. On aura tout donné. Hein. Bien joué à Victor. J'ai kiffé. Bien joué à Massy. Bien joué à tout le monde. C'était cool. Et vive nous. Eh bien, on félicite tous les participants et on félicite encore plus les gagnants. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils n'ont pas démérité. J'appelle la team SS7 au passage et puis tous les gagnants, s'il vous plaît, montez sur scène. On va faire une petite photo de groupe. Alors. Voilà tout le monde, allez, on peut les applaudir. Bravo les gagnants. Alors, pour le troisième.
Allez, petite photo de groupe avec Lelo, s'il vous plaît. Ibuki.